Non, de toute façon, il fallait le faire une fois pour Ah, désolé, je fous tout en l'air. qu'après je mette mes bandes. Ok. Bonjour Mathéo. Bonjour. Alors, je m'appelle Natacha Perriard. J'ai une formation HETS en animation socioculturelle. Et au Québec, je faisais beaucoup d'actions communautaires. Et je suis maintenant employée à Carrefour Rue comme travailleuse sociale avec différentes casquettes. Carrefour Rue, ce qui est important de dire, c'est oui, on accompagne des personnes en situation de précarité. Tout le monde a le droit à un toit à manger et aussi de la culture et aussi des moments de partage et aussi de faire la fête et aussi de vacances. C'est un peu le panel de tout ce qu'on propose. J'ai une histoire qui est toujours en cours, que je trouve super. C'est avec quelqu'un qui s'appelle Olivier. Et les premières fois qu'il vient en cartouche, voilà, on discute du beau temps, comment ça va. Mais à chaque fois qu'on discute, quand je lui demande comment ça va, il me parle de films qu'il est allé voir. Et puis je découvre au fil du temps que, ah ouais, il est allé au Grutli. Quand il me parle des films, c'est passionné. Puis il met vraiment le contenu, il parle des réalisateurs, ceux qui ont contribué à la musique. Et on voit qu'il est passionné, puis que c'est contagieux. Moi, qui ai peu de culture comme ça, cinéma, j'ai un plaisir à l'écouter. Il me raconte. Et c'est un raconteur de films. À chaque fois qu'on se posait, moi-même, j'étais curieuse des films qu'il avait vus. Donc ma curiosité, ça a été un moteur. En écoutant Olivier, hop, j'ai dans mes méninges, je fais des liens. Je dis, mais lui, ouais, c'est pas le chroniqueur, l'expert cinéphile de Arte ou de la RTS, mais il a des choses fabuleuses à dire. Puis sa voix, son ton, c'est super. Je pense que c'est trop bien s'il a cette occasion de faire de la radio. Et voilà, et moi j'ai cette ampoule comme ça qui scintille dans ma tête. Et je me dis, ok, bah je me lance, je lui parle de la radio. J'étais un peu portée par l'élan de dire, ah, mais c'est trop bien. Et tu sais, on a une radio et donc je lui ai parlé de cette radio. Donc déjà moi-même, j'ai partagé ma propre passion de ce projet. J'ai vu son sourire ou j'ai vu en tout cas qu'il continuait de m'écouter. Après l'avoir informé, je lui ai dit, ben ça te dirait pas? Et puis c'était un peu, oui, c'était incitatif. Ça serait trop bien. Et puis là, je lui ai parlé de moi, comment je recevais ce qu'il me disait, et puis que je trouvais qu'il avait toute une culture cinéphile et que ça serait trop bien que plein de gens puissent en profiter. Je pense que je suis partie là-dessus. Mais voilà, en lui parlant, il dit, mais oui, trop bien, ça serait fabuleux. Volontiers, je parle de quelques films que je vois. Ça me dirait bien de faire une. Et on ne parlait pas à ce moment-là de chronique, mais au moins d'essayer une fois parler de films qu'il a vus. Je réalise qu'il y a les 100 ans de la radio et il y aura la fête de la radio. Et je me dis, ben, Carrefour Rue, ça serait super de fêter aussi la radio. Et donc je relance Olivier sur, tu pourrais pas faire une chronique, réfléchir à des films que tu as vus autour de la radio. Je sais qu'il y a des films connus, je sais pas, Good Morning Vietnam, d'autres films. Et puis là, il commence à. Je vois là ses yeux qui pétillent, il regarde au ciel. Pour réfléchir, fouiller dans sa mémoire. Moi, je suis contente qu'on ait les deux un peu dans cette complicité d'imaginer qu'est-ce qu'on pourrait faire entre lui, sa passion du cinéma, moi, ma passion de la radio. 2 semaines plus tard, on se donne rendez-vous dans notre quartier général, je sais pas, 7 minutes à pied du Cartouche, à Villa Beaulac. Et là, je l'accompagne. Donc, la première fois qu'il se pose et qui prend le micro, j'ai un zoom, un petit enregistreur. On n'est pas en studio encore parce que le studio, en lui parlant du studio, je sentais qu'il n'était pas trop preneur. Il m'a pas dit non, surtout pas, mais je sentais une gêne. Et donc moi, j'ai interprété ça en disant, ben écoute, jamais un enregistreur, on est les deux dans une salle. Et voilà, donc la première fois, je lui pose des questions, peut-être qui est le réalisateur ou quel autre film tu as vu, Olivier?
je vois tout de suite qu'en plus de me raconter à moi les films qu'il a vus en lien avec la radio, je vois qu'il, comment dire, c'est comme s'il s'adresse, je vois qu'il s'adresse aux gens. Des fois, j'ai entendu des gens parler, puis c'est comme si, comment dire, ça fait un peu conversation de bistrot, il me parle à moi, tandis que là, son ton, son rythme, c'est une voix radio. Et donc voilà, au fil, je pense qu'il présente 4 super films. Et puis hop, j'éteins l'enregistreur et je fais un montage et la première chronique ciné d'Olivier est mise sur les ondes et mise en podcast. Et la semaine d'après, il revient en cartouche et il dit « Ah, mais c'était super !» J'ai eu beaucoup de plaisir et j'ai dit, écoute, moi aussi, le montage, j'ai parlé de ta chronique à l'équipe radio, viens à la réunion, comme ça tu verras aussi le reste de l'équipe. Donc voilà, la semaine d'après, il vient et en rencontrant des techniciens, ils discutent ensemble, puis c'est super. Finalement, il est inspiré d'aller voir à quoi ressemble le studio, qui est juste à l'étage de la Villa Beaulacre. Donc il s'assoit. Et il se dit, ok, ouais, je tente. La prochaine fois, on l'a fait en studio. Donc la fois suivante, la deuxième fois, j'étais avec lui et je posais des questions. Au quatrième film, c'est Olivier qui disait déjà aux techniciens de manière très radiophonique, alors écoutons la bande-son du prochain film. Et quand j'ai vu ça à la fin de la chronique, j'ai dit, Olivier, t'es bon pour la faire tout seul, là, c'est trop bien. Et là, ça fait combien... Ça fera bientôt un an qu'il fait cette chronique. Mais voilà. C'est vrai. Ok, super. En l'écoutant maintenant, au début de sa chronique, il parle aussi du temps qu'il fait. Il dit, ouais, c'est une journée, aujourd'hui, il fait... C'est une journée bien ensoleillée. Donc, il fait une petite chronique météo et puis... C'est super de l'entendre. Il s'approprie vraiment ce temps de micro et c'est super. Et puis maintenant, voilà, dès qu'il passe, en tout cas à la radio, à Beaulacre, c'est notre cinéman. Ouais, c'est Olivier qui a la main généreuse là. Sa présence a été fédératrice et ça a donné du sens aussi à la radio parce que. On s'est dit, ouais, il y a plein de gens comme ça qui, en galère ou pas, ont plein de ressources, des passions, des connaissances. Et un petit micro, que ça soit diffusé, c'est magique. En fait, c'est aussi une bonne excuse, la radio. C'est pas que pour faire de la radio, mais c'est une manière d'entrer en... valoriser la parole, l'expérience de vie, la vision du monde de tout... plein de gens que je croise, ça menait une dimension « Waouh, raconte-moi. Raconte-moi ton histoire ou raconte-moi ta recette. » Qu'est-ce qui me permet de mettre en lien les gens, les projets ? Déjà, il y a la passion. Je trouve passionnant que le cartouche existe, la radio, la villa. Donc, parce que, comment dire, je les porte dans mon cœur. Je les porte, peu importe où je suis, je sais qu'il y a ces espaces qui sont là. Et voilà, je parle, je raconte des choses, on me raconte des choses. Et vu que ces espaces sont tout le temps là, dans ma tête, je fais des liens. Et je vois que cette possibilité de mettre les gens en lien, ça m'oblige tout le temps à sortir de... En tout cas, ça m'aide à sortir d'une posture « je suis experte, c'est moi qui sais ». C'est « ah ouais, lui, il s'y connaît bien plus en montage que moi. Elle a toute une expérience de micro-trottoir. Ses étudiants, ils sont en formation. Mettons-les ensemble. » J'ai pas le choix et c'est ça qui est chouette. Je suis toujours en train d'apprendre des autres et de voir toutes leurs ressources. Puis mes ressources, j'ai mes passions, des choses que j'aime faire. Mais ce qui me passionne et qui est très possible à Carrefour, c'est juste... continuer d'apprendre des autres, créer des rencontres. La radio et le cartouche et les liens qu'il y a entre les deux, c'est une belle histoire. Il y a un mot que j'ai appris
il y a peut-être 2 ans, je ne connaissais pas ce mot, ça s'appelle sérendipité. Et c'est l'art de saisir l'occasion.